C'est quoi un chantier ouvert au public? C'est un dispositif créé par la ville de Grenoble il y a plusieurs années déjà et qui permet à chacune, à chacun de proposer, de pouvoir faire soi-même des modifications dans l'espace public parce que c'est le premier de nos biens communs, mais aussi dans les bâtiments, dans les services publics. Ça peut être dans une école, ça peut être dans plein d'espaces où chaque citoyen peut avoir une idée, une envie de faire par soi-même une amélioration du bien commun. Ça permet à chacune, à chacun de pouvoir proposer l'idée, d'être accompagné par des agents de la ville pour savoir si l'idée est réalisable, quand est-ce qu'elle est réalisable, est-ce qu'on peut l'autoriser, et de vous accompagner dans le faire. Si vous n'avez jamais fait une jardinière, on peut vous accompagner, vous apprendre à bricoler et à monter vous-même la jardinière. Pourquoi ici devant le Pacifique? Parce que c'est un des derniers chantiers ouverts au public qui s'est réalisé sur le territoire et c'est l'un des premiers qui se réalise avec des acteurs culturels. La deuxième innovation, c'est que pour la première fois, les chantiers ouverts au public ont testé la débitumisation participante. Donc les professionnels sont venus ciseler le bitume, mais pour la première fois, ce sont les habitants eux-mêmes qui ont enlevé le bitume et qui ont remplacé le cuivre par le verre, un petit pas pour nous faire voir éclore pour permettre d'accélérer la lutte contre les îlots de chaleur urbaine. Ici, ça en est un beau qui mérite qu'on enlève du cuivre pour éviter du verre. Ça rajoute aussi un peu.